toi. Cette nuit, les yeux plongés dans le noir, je fuis les problèmes que j'ai au taf aussi, mais surtout le fait que tu sois parti. J'aimerais pouvoir dire au revoir. Fini mes rêves, mes cauchemars, me suivant, entends-tu ma voix le soir qui crie, ma voix pleine de désespoir s'ennuie. Mais chaque image que tu m'as laissée me hante encore, tu emplis mes pensées d'un goût amer, un goût empoisonné, d'un voile qui cache encore la vérité. J'ai encore rêvé de nous, imprégné d'un amour fou, un rêve dans tes bras, je m'y plaisais. Car l'amour sans toi, sans intérêt. J'ai encore rêvé de toi, mon sommeil dictait mes pas. J'ai peur d'avancer quand t'es pas là, et peur d'être nu si c'est pas tes draps. Je criais à en perdre la voix, du bruit qui font résonner mon crâne. Ma vie est décousue et tombe dans le vide, vide infini sans issue. Je crois que la douleur prend le dessus en moi comme une bataille de perdu. Sans toi, pourrais-je revenir au début une fois? Mais chaque image que tu m'as laissée me hante encore, tu emplis mes pensées d'un goût amer, un goût empoisonné, d'un voile qui cache encore la vérité. J'ai encore notre découverte musicale du jour, OG. Merci d'être avec nous, OG. Merci à vous. On est en train d'écouter ce titre, Nelson Montfort, qui s'appelle « J'ai encore rêvé de toi ». Il a été vu à près de 2 millions de fois sur YouTube. Et puis, on en parle tout de suite avec vous, OG, puisque vous êtes la sensation pop, l'étoile montante du moment. M6 vous a consacré un reportage dans son JT cet été. Fait. Parce que, voilà, vous faites partie des jeunes artistes sensation. Vous avez seulement 18 ans. C'est une chanson magnifique. C'est une chanson qui... Merci magnifique. Beaucoup. On est d'accord, ça nous emballe. Si je suis un garçon et j'écoute cette chanson, je reviens. Hein. Mais elle n'est pas revenue. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Temps perdu, 10 jours trouvés, paraît-il. Ce titre est issu de votre premier album qui s'appelle Spectre. Je ne vais pas donner d'autres informations pour le moment. Je vais vous laisser le faire puisque c'est le but du jeu. Vous avez une minute pour nous parler de vos aspirations, votre univers, votre parcours sur l'antenne de Radio J. Eh bien, enchantée. En tout cas, moi, c'est OG. Je m'appelle Océane en réalité, mais tout le monde m'appelle OG. Je suis influenceuse et chanteuse aujourd'hui. J'ai commencé la musique avec The Voice Kids quand j'avais 15 ans. Et après, je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'ai créé une communauté très investie et très engagée que j'aime énormément et qui me soutient dans tous mes projets. Ce qui me permet d'avancer et je me bats tous les jours pour me faire une petite place dans ce milieu de la musique qui est assez compliqué quand on est jeune comme ça. C'est dur de se faire prendre au sérieux, en tout cas. Et je viens de sortir mon premier album en décembre, que j'affectionne tout particulièrement. Qui vient des tripes, qui vient du cœur, et je suis très fière d'où j'en suis aujourd'hui. Je trouve que j'avance très bien et je suis très très heureuse en tout cas d'être ici aujourd'hui pour pouvoir présenter mon projet, et je suis contente parce que je trouve qu'on me prend au sérieux de plus en plus. Bah écoutez, je ne peux que affirmer que vous êtes merveilleuse, vous êtes solaire. On vous a vu rentrer tout de suite, on vous a remarqué. Donc je crois que quand on est un artiste, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis les followers, comme on dit, le savent. Il y en a plus d'1,5 million, voire près de 2 millions. On y est. Ben voilà, sur TikTok, plus de 600 000 sur Instagram. C'est assez énorme, hein, il faut le dire. Mais vous avez une chance incroyable, c'est que généralement
voilà, je le sais parce que je reçois beaucoup de gens coup de cœur qui viennent, sont assez indépendants. Et vous, vous avez eu cette chance de pouvoir avoir quelqu'un qui vous soutient et dont on peut parler, qui s'appelle Camaro, je crois. Exactement, que j'ai rencontré même avant de faire The Voice Kids d'ailleurs, et qui a soutenu mon projet de A à Z et qui me soutient encore et aujourd'hui. Et qui vous soutient, c'est pour le dire, voilà, il a chanté Baby, enfin, laisse-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, voilà. Et il est pilier de l'ascension de Shaim, j'en oublie tous les mots. Voilà, donc c'est un grand producteur qui a confiance en vous. Et vous, on va parler de vous. Vous êtes biberonné à Norah Jones, paraît-il. Donc c'est vos influences de base, mais il y en a d'autres aussi qui vous inspirent. Il y en a énormément. Aretha Franklin, qui m'a énormément aidée, je pense, à me trouver aussi dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Vous êtes jeune pour aussi écouter Aretha Franklin. Je pense que papa et maman sont là. Hein, quand même, Mais c'est même pas papa et maman, c'est moi toute seule, comme une grande qui a acheté les vinyles de Frank Sinatra, qui a acheté les vinyles d'Aretha Franklin, qui. Je sais pas, c'est venu tout seul. OG a très bon goût. Oui, on est d'accord. OG a très bon goût. Très bon goût. Non, mais sommet, écoutez, c'est très intéressant de voir que vous êtes très jeune et que c'est un projet quand même qui est assez abouti. Et pour nous donner encore un peu plus l'eau à la bouche de ce que vous faites, on va écouter un petit bout du morceau Maman, qui est aussi très joli sur l'antenne de Radio J. Rouler des petits papiers, faire semblant de les fumer. Un esprit très innocent, un comportement d'enfant. Enfin un peu insouciant, qui copie ses deux parents avant d'être adolescent. Vouloir être un grand plus vite, regretter après 28 ans, se dire qu'on n'a plus le temps. Une fois passé 18 ans, penser à faire des enfants, peur d'être un mauvais parent, d'être moins bien que toi, maman. Si on pouvait revenir au jour. Voilà cette chanson Maman de vous, OG, qui fait partie de votre album Spectre, qui fait suite à votre premier EP qui s'appelle Prisme, qui est sorti, je crois, en juillet dernier, exactement, c'est ça, avec près de 15 millions de streams cumulés sur donc cet EP. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus que vous n'avez pas encore, OG? Peut-être des scènes? J'aimerais beaucoup des scènes, ce serait incroyable. Mais bon, il y a le monsieur Covid qui nous bloque un petit peu, et puis bon, et peut-être que ça viendra avec le temps, je pense. Avec le temps, bien sûr, et peut-être vous faire repérer pour des premières parties. Parfois, ça fonctionne un petit peu comme ça. Écoutez, on note en tout cas, on va vous suivre de très près, bien évidemment. Cet album qui est bien sûr à écouter, à retrouver, j'imagine, sur les plateformes. Partout sur les plateformes. Un style défini un petit peu comme néo-pop. On peut voir les choses comme ça. Assure, bien évidemment, OG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. OG.